ce foutu fantôme. J'ai traqué ce salaud pendant 3 longues années. Tu risques la perpète pour ça. Peut-être même la chaise. Tu cherches pas le type qui poinçonne les billets, tu cherches le type qui les vend. Alors c'était ça que tu voulais me proposer, hein? La tête de Salieri sur un plateau. Les livres du Don. Ceux que Franck avait volés. C'est moi qui les ai. C'est assez pour mettre Salieri à l'ombre pour toujours et je te les file. Enfin, seulement si on a un accord. Ma famille contre le Don. Tu reconnais personne? Regarde encore. Le vieux gars, c'est Don Pepone. Les deux jeunes, c'est Morello et Salieri. Ouais. Ça y est, je reconnais. C'était quand? En 1920? En avril. Le mariage de Morello. Salieri était son témoin. Merde. C'était des mômes. Et déjà des bons petits soldats dans le clan de Pepone. Donc explique-moi un truc. Comment on fait pour passer de meilleurs amis à Maccabée à la morgue? Je sais pas. Je savais même pas qu'ils étaient amis. Avec ce que tu sais pas, on peut faire une tour comme le Chrysler Building. En 22, Pepone coule au fond d'un lac. Pour que les choses se passent sans problème, Salieri et Morello décident de se partager la vie. Ouais, je la connais, cette histoire. Et alors? S'ils étaient potes, ça aurait dû fonctionner, mais ça a absolument rien changé. Après Morello, Salieri était fier et faisait le beau. Pour lui, toute cette foutue ville était à nous. Moi, j'étais soulagé que la guerre soit finie. Mais il y avait un truc qui me tracassait. À quoi ça sert d'être riche comme Morello si ça permet pas de se protéger d'un type ordinaire comme moi? Je suis qu'un taxi minable, putain. La seule chose que ça lui a apporté, c'est une jolie grosse cible sur son putain de front. Et cette question, j'arrêtais pas d'y penser tout le temps, en boucle, dans ma tête, jusqu'au jour où je me regarde dans le miroir. Et moi aussi, je me suis mis à la voir. La cible. Toi, t'es du genre à t'essuyer avec un bifton de 500. J'étais pas prêt à abandonner tout ce que j'avais gagné, je le sais. Je me disais que ça irait, que j'étais plus malin que Morello, que je me retrouverais jamais dans la situation où Polly et Sam pointeraient un flingue sur ma tempe. Le truc, c'est que... c'est qu'on s'en rend pas compte. Quand on est tout le temps dans la rue, à se bastonner et à défendre sa vie. Quand c'est ça, le type à côté, c'est pas juste un collègue. C'est ton frère. Pour ton frère, tu pourrais suriner quelqu'un, pas vrai? Mais la nuit, tu te retournes dans ton lit à te demander pourquoi lui et le Don chuchotaient derrière le bar. Tu te demandes si ton meilleur ami est assez affamé pour te trahir.